Bonjour mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité sur Congo Live. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Merci de votre fidélité. Nous sommes mercredi 18 octobre 2023. Mesdames et Messieurs, bonjour. Espoir Mouinouka avec nous ce matin. bonjour. Bienvenue. Ah bonjour, monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrir sa souveraineté nationale et internationale. Vous allez bien Oui, nous allons très bien nous tenons la tête haute. La marche prévue, ou alors les marches prévues ce mercredi et jeudi, sont interdites par la mairie de Goma, la marche qui visait à contester ou à exiger le départ. De la force régionale de l'EAC, mais aussi apporter un soutien aux jeunes résistants qui se battent dans les Mazis et Les démarches sont interdites par la mairie de Goma. Que répondez-vous, monsieur euh, En fait, moi, quand j'ai lu la motivation de monsieur. De de des Exactement. Quand j'ai lu la motivation qui a poussé à l'autorité urbaine de s'opposer à la tenue euh, de ces deux manifestations, moi, j'ai compris que même l'autorité n'avait même, même pas bien compris les discours du chef de l'État. Puisque dans, dans la sortie médiatique ou bien euh, dans un message adressé à la nation, la fois dernière, de son Excellence, Monsieur le Chef de l'État. Il a, euh, il a autorisé que nous puissions reprendre euh, nos manifestations, il a autorisé que nous puissions reprendre nos réunions, euh, que nous avons toujours tenu des réunions non armées. C'est qu'il y, y, y a eu un retour à l'ordre constitutionnel, voyez ouais, ouais. Mais moi, je ne parviens pas à comprendre comment le maire de la ville peut prendre de telles mesures. Mais aussi, euh, c'est... C'est son droit de s'opposer, mais nous, nous le savons que nous sommes dans un régime d'information, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation. Ce que nous avions fait, notre devoir civique et constitutionnel, ça ne revenait qu'à lui de faire aussi son devoir. Ce que nous, on comprend que le maire a refusé catégoriquement de respecter ni le chef de l'État et de respecter les lois de la République démocratique du Congo. D'accord. Et vous tenez à organiser cette marche oui, c'est tout à fait normal. Nous, euh, les collectifs des mouvements citoyens, nous allons faire notre marché. Demain jeudi, les collègues euh, euh, ou bien nos compatriotes victimes de l'agression rwandaise, ils vont manifester aussi aujourd'hui mercredi. C'est que nous leur disons euh, de bien faire leur manifestation puisque c'est une manifestation non violente. Nous avons beaucoup de stratégies. Comme vous le savez, nous sommes euh, les titulaires du terrain. C'est que nous mettons isoler tout euh, de toute la ville. Nous savons qu'est-ce que nous allons faire. L'essentiel, c'est faire arriver notre mémo à, à qui euh, des droits, à notre cible. Et notre cible reste cette force inutile de l'EAC. Vous avez lu, quand vous évoquez l'EAC, vous avez lu leur communiqué concernant une attaque armée contre qu'on voit dans les routes yes, wow. Oui, je, je l'ai suivi. Je, nous présentons les condoléances aux leurs. Vous savez, ce sont des jeunes, euh, avant de quitter leur pays, on leur disait Non, vous allez euh, en RDC et vous allez aider la République démocratique du Congo. Malheureusement, quand ces jeunes arrivent sur le terrain, ils se rendent compte qu'il y a d'autres ordres qu'on leur donne et ce sont des ordres illégaux qui ne parviennent même pas à obtempérer. Vous comprendrez avec moi qu'il y a même des militaires ou qui auraient fui, ils ont rentré chez eux en Ouganda puisqu'ils ont compris, ce n'est pas ce qu'on leur avait dit avant de venir au Congo. Quand cela ne tienne, euh, nous disons toujours à nos jeunes compatriotes s'il est assez, puisque nous, dans notre mémorandum, nous leur donnons euh, quelques temps, s'il est assez, continue à s'interposer entre nous et euh, les Rwandais, nous allons agir. Pourquoi, lorsque c'est nous qui avançons, ils s'interposent Mais lorsque L'armée rwandaise entre chez nous, il ne s'interpose pas. Pourquoi C'est dit à quoi Ça, c'est une complicité. Alors, qui se retire Nous allons faire partir l'ennemi de nous-mêmes. S'il ne veulent pas à quitter le sol congolais euh, dans des sacs, qui décide de partir avant que le pire n'arrive. Vous avez lu les, télé les télégrammes voilà. du gouverneur, le général, Major Peter Thierry -Mohami. Il faut préciser qu'après la libération des massifs par le jeune résistant à Basalendo, les autorités congolaises instruisent en tout cas les quatre territoriaux et responsables des services étatiques et para-étatiques de rejoindre sans délai leur postes d'attaque. Déjà l'autorité de l'État restaurer dans les massifs. Les actes sont appelés à le re regagner leur poste. Voilà. Soutien total. Euh, euh au télégramme, bien au message du gouverneur militaire. Comme vous le savez, Massissi, il n'y a même plus même un rang appartenant au gouvernement rwandais. Et quand je parle de ces rangs appartenant au gouvernement rwandais, ce, rwandais sont, de base, de ce de sont des terroristes rwandais, M23RDF, ce sont des rangs. Et ces rangs n'existent plus dans le dans Massissi. C'est que, que tous les cadres se préparent à reprendre leurs activités. Comme vous le savez, nos jeunes, ce sont des jeunes bien éduqués et à l'heure où je vous dis, il y a d'autres unités qui sont venues pour sécuriser Massissi et bientôt ces unités seront déployées dans les Routures pour sécuriser nos compatriotes à que Je profite pour lancer, puisque je sais qu'il y a nos, comp nos compatriotes, c'est là qui sont dans des cas qui nous suivent. Les ONG qui nous suivent, commencer à sensibiliser nos compatriotes qui sont dans le cas de déplacés, euh, originaires de Massissi qui se préparent pour entrer chez eux. Votre... Euh, vos enfants, euh, vos jeunes résistants, ils ont tout fait pour chasser ces agresseurs rwandais dans les massifs. Préparez-vous pour rentrer chez vous afin que nos petits frères puissent reprendre les chemins de l'école. Comme vous le savez, nous nous sommes dit, nous devons lancer une campagne pour assister nos jeunes compatriotes et... Nos petits frères, celles là qui doivent rentrer à l'école. C'est que nous devons aider ces enfants, puisque l'objectif du Rwanda n'est pas seulement à conquérir nos terres, mais aussi à abrutir la population congolaise. C'est que c'est notre jeune génération qui ne veulent pas que ces enfants puissent étudier. Et nous, nous devons tout faire pour que nos compatriotes rentrent à l'école. À Masisi, à l'heure où je vous dis, c'est les cantonniers ont repris chemin. Il y a beaucoup d'opérations qui sont en train d'être faites uniquement que pour arranger des routes, la construction de nos maisons qui euh, étaient détruites par ces agresseurs. Comme je vous dis, ils ont ravagé tout ici mais nous sommes en train de reconstruire. C'est chez nous, nous devons reconstruire chez nous. Préparez-vous. Pour reprendre chemin, préparez-vous pour entrer chez vous, chers compatriotes, et tous celui-là qui nous suivent. S'il fait partie de notre communauté internationale, que moi j'appelle notre diaspora, si vous avez des frères à Masisi, c'est là qui avait fui. Dites à eux de rentrer à Masisi. Il y a la paix totale. Il y a c'est la calomie qui règne. Les Rwandais ils ont ils ont fui puisque les jeunes avaient l'effet dévora, l'effet éternel. Mmh. Par rapport à cette vidéo, vous avez suivi le Conseil de sécurité, en tout cas qui insiste et qui appelle au calme et à une intensification du dialogue entre Kinshasa et Kigali pour faire avancer une paix durable dans cette région. Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité a souligné l'importance de parvenir à un règlement politique de la crise actuelle, réaffirmant son appui à l'action menée au niveau Régional. Je crois que ces déclaration devrait être orientée entre les Hamas et l'Israël. Ce sont des déclarations qui ne valent absolument rien. Mais vous le savez, la communauté internationale, que moi j'appelle la communauté des escrocs, puisque quand vous voyez les États-Unis, la France, c'est eux qui s'appellent communauté internationale. Or moi je ne siège pas. Or quand on parle d'une communauté, euh, il fallait que tous nous puissions siéger, tous que nous ayons les mêmes droits. Mais nous n'avons pas les mêmes droits. Certains aventuriers qui s'appellent qu'ils ont les droits de veto, c'est eux qui pensent qu'ils ont le monopole de la parole sur la planète Terre. La RDC a a, a choisi euh, la voie de la politique ou bien des dialogues avec les Rwandas maintes fois. Nous avions dialogué avec les enfants de l'RCD, avec les chiens chasse du CNDP, avec ces terroristes rwandais euh, RDF-123 en 2013. Il faut encore dialoguer avec eux. Je crois que c'est révolu. Nous devons prendre notre destin à main. Et nous disons à nos autorités si nous ne parvenons pas. Apprendre à mettre notre destin, cela veut dire que cette maudite et fameuse communauté internationale, euh, ils, ils vont se voir toujours comme des maîtres, c'est eux qui doivent nous édicter ce que nous devons faire. Il est grand temps que nous puissions saisir notre propre destin, comme Lumumba le disait, Kimbangu le disait, Mobutu, même chose, M. Laurent Désiré, même chose, Mamadou, même chose, et sais-je C'est que le discours de la communauté internationale ne nous concerne pas. Ça n... vous, pourquoi ils insistent sur et, et puis, la question qu'il fallait aussi se poser, pourquoi lorsque... Euh, nous, on avance. Il commence à dire que non, nous devons aller au dialogue. Mais lorsque les Rwandais avançaient, pourquoi ils ne disaient pas aux Rwandais, non, restez chez vous, voyez-vous C'est que eux, hey, ils ont vu. Pour que, nous ayons, pour que nous puissions continuer à piller, à dévaster la RDC, à dévaliser la RDC, nous devons avoir les, 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 les petits rangs dans les rangs. Voyez-vous, c'est qu'il faut qu'ils aient toujours ces Rwandais qui feront toujours la guerre à la RDC, à la RDC. Je crois qu'il est grand temps. 30 ans de misère, 30 ans de guerre. Non, c'est inadmissible. La communauté internationale devrait voir l'air patin, M. Kagame, et les dire les Congolais doivent vivre en paix. Retirez vos petites personnes au Congo et laissez les Congolais en paix. S'ils si ne le font pas, nous allons le faire. Nous sommes des hommes. Nous ne sommes pas des, des petits-enfants. Nous ne sommes pas. Des petites femmes, nous sommes des hommes et des femmes intègres et dignes de défendre l'intégrité du territoire national. Vous avez vu ce que nos enfants ont fait dans les massifs et, et nos enfants vont faire ça dans les Ruturu. La communauté internationale, on se rappellera après de son discours que nous, après que nous ayons chassé ces agresseurs envahisseurs rwandais sur le territoire national. Mmh. Mmh. Alors il faut également Préciser que euh, ce genre le conseil de sécurité, en tout cas, a encouragé le gouvernement congolais, euh, l'ONU a élaboré d'ici novembre 2023 un plan de désengagement complet par rapport au retrait de la MONISCO au Congo. Cette instance a aussi réagi à la demande du gouvernement de la RDC de retrait accéléré de la mission sienne à partir de la fin de cette année. En fait, nous, c'est parmi les vœux de la population. Nous voulons voir ces gens se retirer du territoire national. Comme vous le savez, nous avions beaucoup, beaucoup d'activités que nous avions déjà planifiées contre cette fameuse Monisco. Nous, nous sommes une population, Pyréma Pacifique. Mais si nous étions comme... Excusez, des Somaliens, je crois que la Monisco ne devrait plus même circuler sur le sol congolais. Vous avez vu, ils ont changé même de plaque. Alors nous, nous ne voulons plus qu'il y ait des escalades entre eux et nous. C'est qu'ils puissent élaborer ce plans dans l'urgence et qu'ils puissent mettre ça ici, décembre, euh, dans le mois de, 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 de décembre de cette année. Et si le gouvernement leur donne des mesures de clémence, c'est que le gouvernement risque d'être même considéré comme opposant de la population congolaise. C'est que la Monisco doit commencer à plier bagages. Et dès nous les félicitons puisqu'ils ont commencé à vendre leurs biens. Vous avez vu leur communiqué. Ils ont vendu certains de leurs biens sur l'étendue du territoire national. Cela prouve qu'ils commencent déjà à, 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 à préparer leurs valises pour quitter les sols congolais. On félicite le gouvernement pour euh, l'urgence et la diligence qu'ils ont, euh, qu ont utilisée. C'est quelque chose de bon, mais nous voulons, nous, notre objectif, c'est de voir ces gens quitter le sol congolais dans l'urgence. Et ose si, euh, osent surgiverser autour de ça, la population va se prendre en charge. Vous allez vous prendre en charge. Exactement. C'est-à-dire, nous allons utiliser même les moyens de bord. Pour faire partir l'ennemi. Et aujourd'hui, l'ennemi de la RDC, ce n'est pas seulement ces petits Rwandais drogués qui viennent nous déranger, c'est aussi cette fameuse communauté internationale à travers leur armée d'occupation étrangère, la MONISCO, et aussi cette force inutile de l'EAC. C'est que nous sommes totalement déterminés. Euh, la mobilisation générale est déjà lancée. Et nous allons passer encore maison par maison. Rie euh, par rie, euh, euh, marche par marché pour mobiliser nos mamans, nos papas, nos petits frères, nos petites sœurs nos grands-frères et nos grandes sœurs sur l'autoprise en charge. L'autoprise en charge, c'est apprendre les comment il faut s'attaquer à, à l'ONU. Euh, c'est pas s'attaquer. Je ne sais pas comment est-ce que les gens ah, pensent que nous, on s'attaque. On ne s'attaque pas. On demande notre droit. Et... Parmi les droits et devoirs d'un citoyen bien instruit, primo, c'est la protection de l'intégrité territoriale. Nous devons tous compétir, tous concourir pour que le Congo reste intact. L'unique cadeau que nos ancêtres nous ont légué, que vous soyez l'enfant d'un pauvre, que vous soyez l'enfant d'un riche, que vous soyez un ministre, que vous soyez... Un civil, que vous soyez un militaire, l'unique cadeau qu'on vous a légué s'appelle la République démocratique du Congo. Et nous devons tous concourir pour que nous puissions bien garder en bonne et forme la République. C'est aussi le cadeau que vous allez léguer demain à votre enfant et votre enfant l'élèguera aussi à ses enfants ainsi de suite. Nous avons plein de devoirs. Notre génération a les devoirs. De compétir pour que la RDC reste intacte. Et même nos enfants le feront euh, jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra. C'est pourquoi nous devons faire notre mieux tant que nous sommes encore vivants que nos enfants aussi feront leur mieux tant qu'ils seront encore vivants. Au sujet des groupes armés, les conseils de sécurité exige qu'ils soient mis fin à toute nouvelle avancée du M23. 23, voilà visé par des sanctions de l'ONU et que les engagements pris en faveur du retrait de 23 ou du groupe de tous les secteurs occupés et de son cantonnement soient immédiatement et pleinement mis en œuvre. Vous savez, le problème, c'est quoi Et que ces gens nous prennent comme des cons Hier, pas plus tard que hier même, l'armée rwandaise, ils ont encore tra traversé. Hier, ils ont encore ah. traversé. Mais qu'est-ce que la Monisco a fait mais quand on parle du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a leur armée ici qui s'appelle la Monisco, cette force d'occupation étrangère. Qu'est-ce qu'ils ont fait Absolument rien. Il y a ces foutrons de l'EAC. Qu'est-ce qu'ils ont fait Absolument rien. C'est qu'ils disent des choses qui ne sont même pas à mesure de concrétiser. Mais c'est tâter ce grand-père Guterres. Prendre le téléphone et appeler son chien de chasse, son patin, le sanguinaire génocidaire Kagame. Et lui dire non, dis à tes hommes de rentrer. Qu'est-ce que ça peut lui coûter Absolument rien. Mais comme un... Ils prennent les Congolais comme des cons. C'est comme si nous nous ne sommes pas à mesure de nous sécuriser. Et d'ailleurs, nous voulons montrer à ces gens que nous sommes à mesure nous-mêmes de nous sécuriser. Vous avez suivi comment est-ce que ce petit garçon, Monsieur Emmanuel Macron, comment est-ce qu'il avait dit à Kishasa que non, nous, vous ne serez pas l'entrée de pleurnicher que les autres vous êtes. Vous êtes non. Nous voulons leur montrer que nous sommes à mesure nous-mêmes de nous sécuriser. Nous allons faire partir leurs personnes calmement. Ils parlent qu'ils ne veulent plus entendre de l'avancée des 1,23. Ce n'est pas parce qu'ils ne, ne veulent plus l'entendre. C'est parce que nous, la population, nous avons déjà coincé les 1,23. Ils sont tellement fixés au bon fixe, jusqu'au point où ils ne peuvent plus bouger, même pas d'une seule semelle. Ils sont concentrés aujourd'hui. Dans les Ruturu, ils ne peuvent plus bouger de là. Ils, ont bougé, ils vont bouger, c'est un recul en arrière pas pour avancer et comme ils sont en train de sentir qu'il y a la montée en puissance de la détermination populaire montée en puissance de nos efforts monter en... c'est que les degrés du patriotisme commence à monter même dans des églises même dans des marchés c'est comme ça qu'ils commencent à dire que non ils ne non nous allons les imposer de ne plus avancer et ils vont reculer ils vont quitter le territoire national Degré ou de force mais ils sont toujours là on est dans les mode c'est le fait c'est hein? t... on, hein? on connaît tous que Mais notre ce monde, on connaît tous que notre armée est dans le mode cessez le fait on connaît ça nous blesse pas mm -hmm. ça nous blesse pas nous allons faire ce que nous pouvons nous comme population non la population n'est pas et, vous, hein? la population les élections nous, nous nous allons faire ce que nous pouvons comme population l'armée la fera au moment où le cessez sera levé, l'armée va faire sa mission. La population, que la population fasse d'abord ce qu'elle a à mesure de faire. La population, mais quand on parle des élections, puisque c'est là où euh, les Rwandais pensent que comme nous allons faire les élections, la population va se soulever contre le régime. nous n'allons pas les faire, ça on vous précise. Nous, on, attendez, nous n'allons pas nous soulever. C'est ce que les Rwandais pensaient. Ah, que, exactement. Que comme nous allons vers les élections, la population va mettre pression. Si les autres, nous n'allons pas les faire. Chez nous, dans les matchs, on dit Chibichamuntu. Ça veut C'est ça, ça. Swahili. Entre, entre les démons, je ne connais pas qui est Rwanda. Entre les démons, on choisit le moindre mal. Et oui. Entre l'agression rwandaise. Et les élections nous allons choisir qu'est ce qui nous est utile est ce que c'est d'aller aux élections est ce que c'est de faire partir l'ennemi nous allons choisir chibi chamout mais oui en fait ça fait un peu vous savez je suis un peu souffrant mais quand même nous disons, c'est un message clair que nous envoyons un message à ces agresseurs. Il y a tous ces combattants-là. Ouais, euh, oui, il y a même des combattants bah, si chi si qui sont... Bah, c'est un, <laughs> ah, si, bah, <laughs> si, bah, un chi, oui. Le non, non c'est un terroriste. Il a été banni de la communauté. Oh, en fait, nous disons euh, à nos jeunes combattants, ceux-là qui sont sur les lignes de front, votre population est derrière vous, on ne vous lâche pas, mm -hmm. nous nous mobilisons. Nous sommes derrière vous et nous appelons toujours notre communauté internationale, que cette communauté internationale euh, puisse répondre favorablement lorsque nous allons lancer une campagne de récolte des dons pour nos jeunes. Nous savons combien de fois vous vous sacrifiez. C'est vraiment au, au prix du sacrifice suprême. Vous vous battez pour les servir. Vous vous battez pour sauver l'intégrité du territoire national. Vous vous battez pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale, Merci. internationale. Nous sommes sur le plus de 143, 9, non 66, 42, 08. Nous disons aussi à ces agresseurs rwandais, nous n'allons pas vous lâcher, même pas seule semelle. Nous disons aussi à la maudite fameuse communauté internationale, et au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce n'est pas à nous que vous allez dire de s'arrêter. Puisque nous nous battons pour sauver nos biens, nous nous battons pour préserver nos petites soeurs, nos grandes soeurs, nos, 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 nos grands-mères. Nous, nous nous battons pour les préserver et les éviter qu'ils ne soient pas blessés, euh, par, euh, violés Merci. par ces terroristes Merci, rwandais. Merci, Alors. C'est euh, à vous crois, de leur dire merci. de se retirer du territoire national avant que le pire n'arrive. Ils ont encore le temps de partir chez eux. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé sur le Congo arrive, On se retrouve pour un nouveau numéro. Merci. Merci. Bye bye. Bye.